Je pense qu'on n'accompagne pas nos enfants comme il faut. Et malheureusement, les conséquences sont des fois graves, comme les maladies du sida. On est condamné deux fois. On est condamné parce qu'on est malade et on est condamné par la société. On est rejeté. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on a peur carrément de se faire dépister, surtout pour une maladie comme le sida, simplement parce qu'on a peur de rencontrer quelqu'un qu'on connaît dans un hôpital. Donc on met carrément sa santé et sa vie en jeu par le regard des autres. Même si on pense que peut-être il a fait une erreur, il ne faut pas le rejeter, il faut l'accompagner, il faut beaucoup d'amour. On est dans une société où tout pratiquement est tabou. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, le manque d'information est de mettre sous cloche tout ce qui réellement fait la vie. Et c'est ce couvert de tabous qui pose les problèmes après. On parle des choses qui la concernent à son âge, de la puberté, de comment après on se développe. Et moi, je n'ai aucun tabou. D'ailleurs, elle me dit, parfois, je regrette de te poser des questions parce que tu me réponds. Donc, je lui réponds, oui, il y a non. Moi, je préfère tout lui dire et puis si elle a des questions, elle sait que moi, je peux l'informer. The stories that people hold about maybe something traumatic or something related to something taboo is always complicated and has a lot of layers. We thought it was a great idea if we could decompose that person and see through the stories they tell. Chaque personne a vécu énormément d'émotions. Chaque émotion représente une photo. Donc ici, par exemple, c'est une personne qui allait faire un avortement et qui s'est retrouvée être jugée. Et là, c'est la honte et l'étouffement qu'elle a vécu dans l'espace où tout le monde l'a regardée de travers. Et ici, c'est la sensation d'être perdue, de se sentir totalement seule.